jouer beaucoup plus que ce que nous avons fait lors du match aller, avec évidemment un autre plan de jeu, évidemment la présence de Kylian pour avoir beaucoup plus de profondeur et de percussion, mais faire en sorte d'avoir beaucoup plus le ballon et d'être beaucoup plus haut sur le terrain et si possible de récupérer le ballon beaucoup plus tôt dans le camp adverse munichois. La Champions League est toujours un objectif très élevé de la part du Paris Saint-Germain, cette volonté, cette détermination d'aller le plus loin possible à cette compétition-là. Mais voilà, on a ce tirage avec cette double confrontation contre le Bayern Munich. En dehors du résultat, il y aura surtout à avoir un comportement beaucoup plus agressif, beaucoup plus conquérant, avec un match beaucoup plus complet que ce que nous avons fait au match aller. Et si nous sommes dans cet état d'esprit, avec cette envie de faire les choses, on a la possibilité évidemment de se qualifier demain soir. Oui, j'entends et je lis le débat autour de Ney. Déjà, je suis très... Le premier malheureux, c'est lui. Il est blessé, gravement blessé. Et croyez-moi que c'est un handicap pour l'équipe. On parle d'un joueur qui a marqué 17 buts, qui a fait 11 passes décisives depuis le début de la saison. Voilà, quand je lis que... tant mieux, non. Il est gravement blessé. C'est un joueur qui a toujours été, depuis que je suis au club, très professionnel, qui a eu une période post-Coupe du Monde difficile. Mais je répète encore une fois, c'est 17 buts, 11 passes décisives. Est-ce que l'équipe est plus équilibrée? Oui, de par le profil des milieux de terrain, oui. Mais est-ce que c'est mieux comme ça? Avoir Ney dans l'effectif, c'est un atout supplémentaire sur un plan offensif pour marquer des buts. C'était l'effectif qui était à disposition sur ces trois matchs. Il y a eu des compositions très difficiles à faire avec un nombre d'absents importants. Je pense Monaco. Je pense que sur le match aller face au Bayern, évidemment que l'absence de Kylian est préjudiciable, que Achraf Hakimi a été rapidement diminué, que contre Marseille, pareil, il y avait des absents aussi importants. Est-ce qu'on a retrouvé un certain équilibre avec une organisation différente? Peut-être, si ce n'est que contre Nantes, après avoir mené 2-0, on a concédé deux buts. Mais les matchs que nous avons perdus sur les trois compétitions, que ce soit en Coupe de France, en championnat ou face au Bayern, je pense qu'à ce moment-là, l'effectif était quand même très diminué. Tout système a des failles, tout système a des points forts, des failles aussi. Et évidemment que sur les derniers matchs, du moins non pas à Marseille, mais sur le match à la fois de Lille et contre Nantes, nous avons concédé évidemment des buts. Et il faut évidemment y remédier. On y travaille avec les joueurs, pas spécifiquement sur le terrain parce qu'on n'a pas beaucoup le temps, mais on en parle beaucoup. J'ai passé beaucoup de temps avec certains de mes joueurs ce matin. Mais autant il y a des failles chez nous, autant il y a des failles chez l'adversaire. Et il faudra être à la fois très vigilant, mais aussi très audacieux de la manière dont nous allons attaquer. Oui, c'est une possibilité. Et oui, je pense que je suis convaincu que ce n'est pas une loterie. Vous dire que les joueurs travaillent le geste techniquement, non. Parce que l'entraînement, c'est une chose. Et puis après, après 120 minutes de match et devant un public qui est derrière son équipe à domicile, l'environnement est totalement différent. Il y a un aspect psychologique. Il y a un gros travail de fait de la part de mon préparateur des gardiens, aussi avec Didio Donnarumma. Mais il y a aussi une stratégie sur moi, du moins. J'ai une stratégie assez claire sur l'ordre des tireurs. Et je disais en fin de semaine que souvent le meilleur tireur se met en dernier ou en quatrième. Des fois le dernier n'a pas le temps de tirer, des fois même le quatrième n'a pas le temps de tirer, et que les meilleurs tireurs doivent prendre les décisions de tirer le plus rapidement possible. Après, il y a aussi tout l'aspect psychologique que peut avoir un gardien face au tireur. Didio est un gardien fiable, de très haut niveau, jeune. On peut faire référence évidemment au but, le premier but concédé face à Nantes. Mais une fois que ça vous est arrivé, ça ne doit plus vous arriver.
Ça s'appelle aussi ça, l'expérience. Mais il a su être décisif dans des moments importants et j'estime que Didio est un gardien de très haut niveau.